Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Happy Mail. C'est vraiment surprise. Ben, je savais que j'allais recevoir ça, mais j'étais pas censée les recevoir aujourd'hui. Ça a été super rapide. C'est un colis qui venait des États-Unis. Bon, j'ai commandé sur Amazon, mais ça venait des États-Unis. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Est-ce que je vous le montre comme ça? Non, je vais vous le montrer plein bureau. Et puis, c'est des crayons. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, je ferai pas plus de blabla que ça. Et on va passer plein bureau tout de suite. Donc, comme je vous disais, c'est une vidéo Happy Mail. Et bon, ça a été vraiment une surprise pour moi ce matin parce que je devais recevoir ces crayons-là que dans 15 jours. Donc, ils sont vraiment arrivés rapidement, sachant que ça fait au moins une semaine que je les ai commandés. Donc, c'est le délai de livraison était un mois. Et je les ai pris sur Amazon Canada. Donc, je vous montre ce que c'est. C'est ceci. Et oui, encore des bruits de funeur, vous direz. Mais non. Oui, c'est des bruits de funeur, mais ils sont différents de les 180. C'est une abonnée qui m'avait parlé de ça et elle m'avait dit, bon, supposément qu'ils sont plus pigmentés que les ceux de 180 bruits de funeur. Vous savez, je vous les ai présentés dernièrement sur ma chaîne. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Donc, ceux-là, c'est les carrés. Donc, on va les ouvrir ensemble et il y en a que 120. Hein. Je sais pas s'ils vont en faire plus. Là, je sais qu'il y a les 520 qui sont sortis. Jusqu'à combien ils vont aller ces crayons-là, on ne sait pas. Mais là, bon, moi j'ai pris la boîte des crayons carrés. Et bon, ça arrive comme ça, hein, une boîte en métal, pareil comme quand on reçoit les 180. Donc, je vous montre, c'est une boîte de métal noire, pareil comme les autres. Et ben là, comme d'habitude, ils nous mettent leur petit papier pour faire le nuancier. Je ne ferai pas le nuancier sur ce papier-là parce que la dernière fois que je l'avais fait, je trouvais que les cases étaient trop petites puis j'avais trouvé ça difficile. Donc, j'ai imprimé mon propre nuancier sur mon papier que je prends quand je colore des PDF. Donc, on va faire le nuancier ensemble hein, aujourd'hui. Je vais aussi vous montrer un colo que j'ai fait avec parce que je les ai testés un petit peu avant de vous faire la vidéo pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc, comme je vous dis, ils sont carrés. Donc, vraiment, c'est un corps carré-carré. Et vraiment, moi, j'adore. Au début, je me disais, ah, ça va être fatigant de colorier avec ça. Mais non, vraiment, parce que ça les pose vraiment, on dirait, nos doigts. Donc, on peut accoter notre doigt ici. Et vraiment, sont super confortables. Et je suis restée vraiment surpris par la pigmentation de ces crayons-là. Et là, je vais faire le nuancier, bien sûr, avec vous. Donc, c'est trois racks, hein? C'est une boîte de 120. Et dessus celui-là, on a des petits élastiques. Contrairement à la boîte de 180, on n'en avait pas. Donc, je vous montre les couleurs un petit peu. Est-ce que vous le voyez toutes? Je crois que oui. Donc, vous voyez, on a... Bon, là, ils ont l'air d'être mélangés. Et là, je n'ai pas vraiment de trousse pour les mettre. Donc, je vais devoir regarder dans mes crayons. Je crois que j'ai des trousses que je pourrais modifier pour essayer de les rentrer dans une trousse. Sinon, ben, je vais m'acheter une trousse de 120 et je les mettrai dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils sont encore dans la boîte. Je ne sais pas trop comment je vais les placer. Donc, le nuancier est très beau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Hein. On va faire le nuancier avant. Bon, toujours pas fidèle à leur... les couleurs ne sont pas fidèles à leur crayon, hein, bien sûr. Mais à ce que j'ai vu, j'ai fait un coloriage avec. Pas, vous allez voir, c'est pas un gros coloriage, mais j'ai eu le temps de pas mal tester beaucoup de couleurs et de mélanger aussi les couleurs ensemble. Et ils vont super bien. Les couleurs se mélangent bien, ils sont pigmentés. Est-ce que c'est les mêmes couleurs que les bruts de funeur 180? Je ne sais pas. Mais quand j'aurai terminé le nuancier de ceux-ci, on sortira le nuancier des 180 et on les comparera, voir c'est quoi la différence entre les deux ou est-ce que c'est la même chose, c'est juste que là, on a juste 120 couleurs et ils ont changé le design. Donc, voilà. Alors là, je vais me préparer pour faire le nuancier. On va le faire en avance rapide, hein, on va s'économiser du temps. Et ensuite, je vous montre le colo que j'ai fait avec et on fera une petite comparaison avec les autres, les 180. Donc là, je les ai pas placés, hein. Je les ai laissés comme ils sont dans la boîte. Je vais les swatcher comme ça pour le nuancier. Bon, ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que on a un numéro sur le crayon qui est écrit ici. C'est vraiment tout petit.
Par contre, c'est une écriture asiatique. Je vais dire asiatique parce que je ne sais pas si c'est japonais ou chinois, donc asiatique, ça passe. Et on a décrit Brut Funeur ici, dans le bas, mais c'est vraiment minuscule et c'est des écritures en or. Donc, on ne peut pas savoir quel est le nom de la couleur, mais au moins on a un numéro. Contrairement aux 180 Brut Funeur où on avait vraiment le nom du crayon et le numéro. Voilà. Donc, c'est parti les amis, on va faire le nuancier ensemble. Ensuite, je vous reviens avec le nuancier des 180, on va faire des comparaisons et je vous laisse découvrir les coulants. Thank you.
voilà ce que ça donne hein, pour les 120 couleurs. Là, j'ai pas écrit les numéros, je vais les écrire plus tard. Vraiment, on a vraiment des belles couleurs. Des couleurs quand même assez uniques, comme ces couleurs-là ici. Je trouve qu'on n'en retrouve pas ça partout. Celle-là ici, un genre de petit vieux rose qui est quand même assez rare dans les gammes. On a un beau petit vert aqua bébé. Et là, j'ai sorti, on a aussi deux métalliques. Hein? On a le argent et le doré qui ont quand même pas mal d'allure. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment, sont bien. Pas les crayons que j'utilise le plus souvent par contre, mais sachez qu'ils sont bien. Donc là, j'ai sorti celui des 180 bruts de funeur. Donc, on va regarder. Est-ce que les carrés sont plus pigmentés que les autres? Donc, si on regarde les rouges, on va se mettre comme ça, là, mettons, là. J'essaie de, de faire ça bien. Donc, bouf, je trouve pas qu'ils sont tant plus pigmentés. Je dirais que la pigmentation est pas mal égale. Si on regarde les rouges ici, là, c'est pas mal la même chose. Sinon, on a, je sais pas pourquoi ils ont placé la boîte comme ça, là, je vais devoir replacer les couleurs, mais on a, comme vous allez pouvoir voir à la fin, on avait des genres de raisins, bourgogne qui étaient placés à la fin et après ça, on retombait dans le brun. Et aussi les bleus ici qui étaient tout à l'heure, comme ici, ils ont mis des bleus à la fin. Donc, c'est un peu bizarre comment ils ont placé leur nuancier, mais comme je vous dis, moi, je vais le replacer. Donc là, si on regarde avec les rouges foncés, on aurait celui-là dans le brut de funeur à 180 couleurs, le normal. Et après ça, lui. Donc, est-ce que la pigmentation est plus plus sur les carrés? Bon, je dirais que c'est pas mal la même chose. Sinon, moi, je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu plus gras que les 180, les carrés. Et je trouve que la gamme, elle est bien composée, entre autres pour le vert ici, hein, vous savez que moi, c'est mon vert préféré dans les verts, et on n'en a pas de ce vert-là dans les 180, on en a un qui est un peu semblable à lui, mais pas exactement comme ça, sinon là, j'essaie de regarder des couleurs qu'on n'a pas là dans les 180 pour les carrés, je regarde, comme ça, cette couleur-là, on l'a pas dans le 180. Pour ce qui est des... Même ici, là, ceux-là, là, il n'y en a pas vraiment là, dans les ceux de 180. Donc, peut-être lui, mais c'est pas exactement la même chose. Toutes les gris aussi, je trouve qu'ils sont intéressants. C'est pas les mêmes gris. Regardez les gris. On a des gris roses. On n'a pas ça dans les bruts de funeur 180. Bon, on en a quelques-uns ici. Là, je suis désolée, j'arrête pas de tourner mes feuilles parce que j'essaie de vous les placer quand même assez près. C'est pas exactement la même chose, donc c'est pas les mêmes crayons, hein, c'est pas les mêmes couleurs, donc je dirais que ça vient les compléter. Serait peut-être bien de les mettre dans la même trousse, mais là, ça prendrait une grosse trousse de 300 d'emplacement, même que ça rentrerait pas tout. 200... Ouais, ça rentrerait juste. Donc, peut-être les mettre dans la même trousse, ça pourrait les compléter, mais... J'ai vraiment l'impression que eux, ils sont plus gras que les 180. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, parce que j'ai fait un petit coloriage. Bon, j'ai pas fait un Clara Markova complet, j'ai fait une page. Première fois que je faisais une petite page de côté, j'ai essayé d'aller rechercher les mêmes couleurs. Et là, ce colo-là est fait au Derwent Lightface et Luminance. Donc quand même, là, si on regarde à côté, là... Je trouve que le pigment est superbe parce que il y a pas... Bon, on peut pas comparer ça avec un Lightface ou un Luminance, mais quand même, je trouve qu'ils sont super... super! Ils sont super pour ben, ce qui est niveau teinte. Vraiment, je suis restée assez surpris et ils se dégradent super bien entre eux. Donc, vraiment, je suis contente. Et là, je vais peut-être faire un petit colo avec vous pour que vous puissiez voir justement comment il se dégrade. Donc, voilà ce que j'ai fait avec. Hein. C'est fait complètement au brut de funeur carré, les 120. À part que, bien sûr, je suis venue contourner avec du stylo des marqueurs Posca et Artistro. Donc là, est-ce que je fais dans Clara Markova ou on tente sur un autre papier? Ça pourrait être bien. En tout cas, pour le papier Clara Markova, ils vont super bien. Donc ça, je suis contente parce que je colore souvent du Clara Markova.
Sinon, on pourrait peut-être faire un test sur du papier Amazon, peut-être. On pourrait regarder quoi ça a l'air. Les brûle-fumeurs, les 180, ils vont bien sur le papier Amazon. Donc, je vais me prendre un livre. Et je vais aussi tester sur le papier mus, voir ce que ça donne. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir des éditions mus, donc on va regarder ça. Donc là, je vais prendre mon Fedora Ball pour faire un test sur le papier. C'est le 9 Inex, c'est un papier assez capricieux, mais moi, je l'aime bien, ce papier-là. Et je vais aussi prendre mon Luna de Maria Troll parce que, bon, j'ai juste deux livres papier mus, donc j'ai pas un grand choix. Donc, on va peut-être commencer par tester avec celui-là. On va faire. Je veux pas faire un gros coloriage, là. Je veux juste faire un petit truc. Est-ce que je fais ça ou je fais le petit papillon? Je préfère le petit papillon ici avec vous. On va tester ce qu'il donne sur le papier mus. Je vais y arriver. Je suis désolée, il est rendu un peu tard parce que, bon, j'avais commencé cette vidéo-là dans l'après-midi. Je l'ai arrêté pour aller faire le souper. Je l'ai arrêté aussi pour aller écouter la game d'hockey. Et bon, ouais, c'est ça. C'est une vidéo en trois parties à plusieurs moments de la journée. Donc, voilà, là, il commence à être un peu tard. Donc, ça se peut que je déparle pour rien. Là, je vais me mettre des petites feuilles. Bon, ça y est, j'ai tout fait tomber comme d'habitude. Donc, je vais me mettre des petites feuilles, là, même si c'est pas vraiment nécessaire. On sait plus. Un automatisme, je dirais. Donc, je vais faire le petit papier avec vous. Bon, on va essayer de faire des belles couleurs. Je suis jamais douée pour faire les papillons. Et là, je vais me fier au nuancier. Hein. Quand j'avais fait mon colo dans Clara Markova, je n'avais pas de nuancier. J'y avais vraiment été à l'œil. Et là, je vais y aller avec le nuancier. Ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc, on va aller chercher cette couleur-ci ou celle-là, peut-être. Ouais, je crois que je vais prendre celle-ci. Et là, ça va pas super bien étant donné que j'ai pas écrit les couleurs, là, mais je vais le faire hors caméra, ça va être beaucoup moins long. Est-ce que c'est elle? Ils sentent la même chose, hein, ils ont la même odeur que les brûle-fumeurs 180. Et là, c'est la première fois que je vais les aiguiser. Je les ai pas aiguisés du tout quand j'avais fait mon colo dans Clara Markova. Donc là, on va voir ce que ça donne de les aiguiser. Moi, j'étais réticente un petit peu. Je me suis dit, les crayons carrés, ça va pas s'aiguiser bien. Donc, ouais. Je suis pas sûre. Vous voyez ce que ça donne? Peut-être qu'avec le... Ah non, on dirait que c'est juste le début. Après ça va. Peut-être que ça serait mieux que le dalle. Pas le dalle, le tigale. Où est-ce qu'il est, mon tigale? Je pense qu'il est en bas. Je vous dirai. Mais bon. Je sais pas. Est-ce que ça va bien avec celle-là? Pas sûr. Et là, en plus, il commence à aller mal. Mon DAL 133, je suis dégoûtée. Peut-être que je fais trop de colo dans un mois. Mais regardez comment il m'aiguise. Et là, je pense que je suis sûre que ça n'a même pas rapport avec le crayon. Parce qu'il me fait ça avec mes Prismacolor, vous voyez? Il me fait du bois ici. Puis l'autre côté, non, il aiguise super bien. Donc, je pense que c'est vraiment mon aiguisoir. Il me fait ça avec mes Prismacolor. Donc là, je vais peut-être demander à mon mari s'il peut le vérifier. Ou sinon, je vais peut-être être obligée de m'acheter un autre aiguisoir. Ça m'énerve. Ça fait même pas un an que je l'ai. Et ça avait été super compliqué pour me le procurer, le dalle. J'avais dû me faire rembourser, le recommander. Ça avait pris quasiment un mois avant que je le reçoive. C'est pas plus. Ça avait fait du niaisage. Donc là, je suis un peu dégoûtée. J'espère que je vais réussir à l'arranger. Pourtant, je le nettoie tout le temps. Je fais attention. Je ne sais pas si mon mécanisme est lousse ou quoi que ce soit. Je ne sais vraiment pas. Donc là, bon, je vais vous dire la couleur. Pas la couleur, le numéro, parce que la couleur, on ne peut pas savoir. Donc, c'est numéro 54. Pour ceux peut-être qui les possèdent, ça se peut. Donc là, je vais faire un peu... Je sais pas trop ce que je vais faire parce que c'est pas ma tasse de thé, les papillons. Mais bon, là, je peux vous dire que je trouve qu'ils vont super bien sur le papier mus. Ils glissent super bien. La couleur, elle est belle et intense. Donc, ça, c'est le fun. Mais bon, hein, quel crayon ne va pas bien sur le papier mus? Ils vont presque tout bien, je trouve. Donc, là, je vais tenter de faire un petit dégradé, un peu pour que vous voyez comment
ils se travaillent. Ils ont à peu près la même texture que les broutefineurs, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus gras. Est-ce que c'est dans ma tête? Je ne sais pas, mais c'est l'impression que ça me donne. Donc là, je vais vous montrer un peu comment ils se dégradent entre eux. Je vais faire celui-là ici dans le haut du papillon. Donc, toujours la même affaire, hein. Je travaille toujours mes crayons de la même façon. J'appuie, je relâche, hein. J'appuie où est-ce que je veux que ce soit foncé et je relâche doucement en faisant plusieurs passages. Sont poudreux, par exemple. Même chose que les broutefineurs. Moi, je trouve que les broutefineurs, ils sont poudreux. Et les broutefineurs carrés, là, c'est la même affaire. Ils ont beaucoup de poudre. Et c'est surprenant pour des crayons. Parce que c'est des crayons à base d'huile, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais oui, c'est des crayons à base d'huile, pareil comme les autres, comme les 180. C'est surprenant parce qu'habituellement, les crayons à base d'huile, c'est pas des crayons poudreux. Mais ceux-là, je sais pas, broutefineurs, là, mais là, ça me dérange un peu que ce soit aiguisé comme ça. Je vais tenter d'aiguiser avec mon tigale. Est-ce que je devrais aller chercher pour vous le montrer? Je pense que oui, hein. Je vais le chercher, je vous reviens. Donc voilà, le tigale. On va essayer d'en aiguiser un avec. Je vais juste regarder avec quoi je vais dégrader celui-là. J'ai soufflé, j'ai été le chercher en bas. Ouais, je vais prendre le genre de vieux rose. Où es-tu, vieux rose? Pas évident quand que les couleurs ne sont pas écrites. Je crois que c'est lui, si je me trompe pas. On va regarder. Est-ce que c'est lui? Non, je pense que c'est l'autre côté. Ouais, celui-là. En plus, il est dû pour être aiguisé. Donc, on va voir. Là, j'ai mis mon tigale à 4. Je le mets toujours à cette. Il y a de la misère à rentrer dedans. Donc, on va voir. Est-ce que c'est vraiment mon aiguisoir dans le 133 qui niaise ou c'est vraiment qui s'aiguise pas bien? Parce que moi, quand j'ai vu les crayons carrés, je me suis dit, ça va être dur à aiguiser. Bon, regardez ce que ça donne. Bon, je sais pas, hein, peut-être parce qu'ils rentrent. Ils sont quand même assez gros, hein. C'est pas super, super gros, là, mais ils ont. Sont un, vous voyez, ça, c'est un Prismacolor. Donc, vu que c'est carré, c'est sûr, c'est un peu plus gros. Donc, ils rentrent bizarrement dans le tigale. Et on dirait qu'ils ont tendance à. Le bois se brise un petit peu quand on l'aiguise. Donc, ça serait peut-être ça le problème. Puis, vous voyez, j'ai chippé un peu le bois, ça a enlevé la couleur. Donc, je sais pas. Peut-être que si mon dalle irait mieux, ça irait mieux. Donc, là, je vais dégrader avec celui-là. On va voir ce que ça donne. Mais ils se dégradent super bien entre eux. Même le blanc, je l'ai utilisé dans mon autre colo et je trouvais qu'il allait bien. Bon, il va pas aussi bien que mon Prismacolor, bien sûr, puisque hein, c'est mon préféré. Mais quand même, j'ai réussi à l'utiliser, le blanc, pour blinder un petit peu. J'étais contente. My God, j'ai misère à parler. Donc là, je mets un petit peu de celui-là. J'essaie de me garder un peu de blanc. C'est vraiment pas large, hein. Si je vais remplir, voilà. C'est pas ce que je préfère colorier des papillons. Des pages entières, là. Des fois, on a des pages avec tout plein de papillons, là. Bouf. Ça m'attire pas bien, bien. Je sais pas pourquoi, je sais jamais de quelle couleur les mettre. Pourtant, je devrais aller voir sur Internet, hein. C'est sûr qu'il doit y avoir tout plein d'images pour les papillons. Donc, pour aller me chercher des idées de couleurs. Voilà, un petit peu. Là, je vais vous montrer avec le blanc. Et là, il va vraiment falloir que je trouve une façon de les aiguiser parce que si je ne peux pas les aiguiser, ça va pas bien. Donc, je vais le rentrer dans mon dalle encore une fois. Je vais retenter avec le blanc. Mais tu sais, on dirait que ça donne des petites coches, là. À un moment donné, quand il a commencé à aiguiser, ça va mieux. Mais je vous dis, il va super mal mon aiguiseur. Je ne sais pas ce qu'il y a là, là. Ah, on dirait qu'elle ne veut pas aiguiser pointu.
Là, je suis sûre qu'elle a mis un côté de bois puis un côté de crayon. Ah non, elle a bien aiguisé. Donc bon, si vous avez un dalle qui va bien, pas comme le mien, bon, il s'aiguise bien. C'est juste le premier instant qu'on le met dedans, on dirait le temps qu'il prenne la forme du dalle au fond, là, qui est un petit peu touché, mais sinon, ça s'aiguise bien avec le dalle. Dans la petite aiguisoire, là, le tigale, c'est parce que le crayon est un peu gros pour le rentrer dedans. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a de la difficulté, mais ça fonctionne quand même pour l'aiguiser, là, mais je trouve que ça l'a brisé un peu le bois, tandis que le dalle 133, il l'a pas brisé, lui. Donc là, je dégrade avec du blanc. Et là, je contournerai pas avec du Posca, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment il se dégrade bien. Et le blanc, là, il va bien quand même. Voilà pour ça. On va tester d'autres couleurs. On va mettre du bleu marin, tiens. J'aime bien le rose mélangé avec le bleu marin. Donc, on va y aller avec celui-là, je crois. Je vais juste regarder la couleur. Est-ce que c'est lui que je veux? Non, ce n'est pas lui. Celui-là. Je cherche le bleu. C'est pas lui que je veux, moi. Je veux lui. Et celle-là? Ouais, OK. Bon. Numéro 87. Je vais retenter d'aiguiser. Vous voyez, il fait des encoches, on dirait, quand je le pars. Mais un coup qu'il commence à pogner la forme du dalle, c'est pas pire, ça va bien. Il a bien aiguisé. Bon. OK. Donc, on va mettre celui-là. On va le mettre ici. Ensuite, on va se choisir une autre couleur pour dégrader tout ça. On va utiliser celui-là peut-être. Celui-là, c'est le numéro 29. Donc, vous voyez, ce mélange super bien ensemble. Sur le papier mousse, pas de problème. Ça colore super bien. Donc, ça, c'est génial. Les couleurs sont vraiment belles pour vrai. Moi, je les trouve confortables en plus à utiliser vu qu'ils sont carrés. On dirait que ça va bien pour les tenir. Ils devraient nous faire plus souvent des crayons carrés. Un petit peu plus fatigant pour les aiguiser, par contre. Mais bon, ils s'aiguisent quand même. Là. C'est peut-être juste... Juste ceux qui n'ont pas trop pensé, d'après moi, quand ils ont fait les crayons carrés, qu'on aurait peut-être de la difficulté avec les aiguisoires. Mais bon, l'important, c'est qu'on soit capable de les aiguiser quand même. Ensuite, je vais terminer avec un petit bleu bébé. Là. Je vais y aller avec celui-ci, qui est le 38. Donc ensuite, quelle couleur je vais mettre le papillon? Là, je sais plus. C'est ça, je vous dis, je sais jamais de quelle couleur les mettre, ces maudits papillons-là.
peu importe le livre, hein, même si c'est même dans Clara Markova, c'est rare qu'il y ait des papillons, là, mais ça arrive de temps en temps, puis je sais jamais de quelle couleur les mettre. Donc, je pense que je vais continuer avec du bleu, mais je vais essayer de faire un bleu un peu plus foncé. Donc là, je vais prendre le numéro 33. Donc, un bleu peut-être un peu plus royal. Donc ensuite, je vais mettre un petit peu de jaune. On va prendre celui-ci, le numéro 0002. Je vais compléter avec du jaune. Vous voyez, mélanger du jaune et du bleu, ça va bien. Donc vraiment, moi, je suis super contente de ces petits crayons-là. Le nuancier est super intéressant, bien monté. Je pense qu'on pourrait facilement faire un colo entièrement avec ceux-là sans vraiment manquer de teinte, à moins de vraiment vouloir des teintes spécifiques, là, mais vraiment, moi, je les trouve super. Et peut-être un peu plus gras que les ceux de 180, et c'est pas les mêmes couleurs, donc ça, c'est super le fun. On peut les mettre ensemble dans la même trousse et ben s'en servir pour compléter les bouts de funeur 180. Seul petit bémol pour les aiguiser, parce que je trouve que c'est un peu bizarre. On arrive à les aiguiser, mais je sais pas, le feeling d'aiguiser des crayons carrés, c'est bizarre. Vous voyez, écoutez le bruit, là. Mais à la minute qu'elle a commencé à faire sa forme de dalle, ça va bien. C'est juste les premiers instants qu'on tourne la manivelle, là, qui sont bizarres, là. On sent que c'est un crayon carré, au fond, là. Mais là, je vous le dis, elle va vraiment mal. Là. Il va falloir que je fasse checker ça par mon mari. Parce que regardez encore ce qu'elle m'a fait. Elle fait ça aussi avec mes Prismacolor. Regardez. J'ai plein de bois ici. Donc là, j'ai juste une petite mine de rien. Puis là, j'ai une grosse mine. Puis c'est pas parce que le crayon est pas dans le centre. Là. Il est vraiment bien dans le centre. Donc c'est vraiment mon aiguisoir qui fait ça. Ah, oh, ça me fâche. Quand même pas donné cet aiguisoir là en plus là, fait que puis là ben quand ça s'aiguise comme ça, ben ça a tendance à briser la mine parce que ben c'est pas égal. Donc ouais, ça me fâche. Puis dans l'autre là, dans le tigal là, il s'aiguise pas super bien, hein. Parce que il rentre là, mais il rentre de force. Puis on le sent là que c'est pas extraordinaire d'aiguiser dans ça. Donc là, j'essaie d'y enlever. Vous voyez, c'est vraiment mon dalle qui fait ça, là, qui aiguise tout croche parce que, regardez, là, il est égal mon crayon tout le tour. Donc, c'est vraiment mon dalle. Mais de le rentrer dans le tigal, par exemple, ça l'abîme le crayon. Regardez, ça chip le crayon parce que il est trop gros pour rentrer dans le tigal. Donc, voilà pour l'aiguisage. Hein. Je pense que je n'étais pas la seule à me poser des questions sur les crayons carrés. Est-ce que ça s'aiguise bien? Et là, je vous montre un coup que je l'ai aiguisé. Je l'ai aiguisé un petit peu avec le Tégal. Et je pense que c'est des crayons qui vont passer vite. Les bruits de funeur aussi, je trouve qu'on les aiguise un petit peu plus souvent. Donc là, vous voyez, j'ai aiguisé, bon, le bleu. C'est sûr que le Tégal va manger plus le crayon que le dalle, moi, je trouve. Lui aussi, je l'ai aiguisé. Lui, je l'ai aiguisé avec mon Tégal.
Donc, voyez, ça diminue quand même, hein, pas mal. Donc, on verra avec le temps, est-ce que c'est des crayons qui vont durer longtemps ou pas, je ne sais pas. Donc là, on va tester sur du papier Amazon, dernier petit test. Je pourrais vous en reparler quand je les aurai plus testés à force de les utiliser, hein. C'est toujours comme ça qu'on voit, là. C'est sûr que quand on vient juste de recevoir des crayons, on est excité, on est content. Mais des fois, dans le temps, on change d'idée. Donc là, à première vue, je vous dirais que je suis contente. Bon, je vais même m'apercevoir, j'ai même pas fait le centre de mon papillon. Donc, celui-là, c'est numéro 79. Quand on serait pas trop la tête de là, je vais aiguiser le crayon, encore une fois. Et j'aimerais bien que mon dalle fonctionne bien, parce que depuis que j'ai mon dalle 133, j'utilise presque plus le Tegal, à moins que le crayon soit vraiment tout petit, là, qu'il rentre plus dans le dalle 133. Mais habituellement, je prends toujours celle-là parce que j'aime la forme qu'elle donne. Mais là, quand elle me fait ça, là, vous voyez, elle s'en allait me le faire encore, là. Elle me met plein de bois ici, puis l'autre côté, non. Et je sais que c'est elle qui fait ça parce qu'elle me le fait avec mes autres crayons, puis je l'utilisais tout le temps avec les autres crayons, puis elle faisait pas ça avant. Donc, je sais que c'est mon aiguisoire qui niaise, là, c'est pas la faute des crayons. Seigneur. Je vais demander à mon mari, c'est peut-être, je sais pas, l'ouvrir. Dites-moi si vous avez eu ce problème-là avec votre dalle. Pourtant, comme je vous dis, je fais attention, je le nettoie. Au moins à chaque deux colos. Puis, ben, je sais pas là, pourquoi il fait ça. J'espère que mon mari va être capable de le réparer. Donc là, je vais compléter ça. Hein. J'ai fait pas mal n'importe quoi sur le papillon. C'est le numéro 81. Bon, donc, il va bien sur le papier humus. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, papier Amazon, hein? Telle est la question. Donc là, je vais me choisir un colo que je vais probablement terminer. Ça va me permettre encore de les tester plus. Donc, je vais choisir un colo qui me tente, bien sûr. Et c'est tellement le fun de colorier dans ce petit livre-là que ben, ça me dérange pas d'en commencer un. Lui, il me tente pas mal. Il est aussi beau. Je ne sais pas. Puis habituellement, je me fais tout le temps une base de marqueur alcool dans ce petit livre-là. Hein. J'en profite quand c'est des petits livres Amazon comme ça et que bon, on n'a qu'un seul dessin, un seul côté. Ben, je me mets toujours une base d'alcool. Donc là, je suis désolée, je prends du temps parce que je sais pas qu'est-ce que je veux colorier. Mais je vais faire un test dans ce livre-là parce que je vais continuer. Je vais continuer le colo. Ouais, lui, je l'avais sélectionné, donc je pourrais peut-être le colorier. J'avais sélectionné quoi d'autre? Ça. Je vais faire lui. On va commencer lui. Donc, on va faire avec vous, bon, je ne ferai pas tout au complet, hein, je vais juste enlever ça pour pas que les crayons marquent sur ma feuille. Je vais faire sa robe. Je crois que je vais faire une robe rouge. J'ai envie de faire ça. Je ne vais pas la faire au complet, hein, je vais juste vous dire qu'est-ce que j'en dis sur ce papier-là. Donc, on va utiliser, pour commencer notre rouge, on va utiliser celui-là. Donc, j'irai avec lui. Je vais juste tester que c'est bien lui. Quand j'aurai écrit mes numéros, ça va aller beaucoup plus vite. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, encore une fois, je vais l'aiguiser. Hein? On lui fait passer le test ultime de l'aiguisage. Bon, là, vous voyez, elle a super bien aiguisé. Je sais pas ce qu'elle a. Bon, OK. Donc, robe rouge. On va commencer ici. Oh, même que j'ai l'impression qu'ils vont mieux sur ce papier-là que sur le papier mousse. Donc, ça, c'est super le fun parce que moi, des livres Amazon avec du papier Amazon, j'en ai beaucoup. Donc, ben, quand je trouve des crayons qui vont bien dessus, ben, je suis contente. Ouais, ils vont super bien sur le papier de Selina Finek.
Et je sais que c'est un papier qui est quand même assez difficile. C'est pas tous les crayons qui vont bien dessus. Mais sur ce papier-là, génial. Mais là, et je sais que c'est pas exactement pareil comme les autres papiers d'Amazon, les livres de Célina Finec. Donc, je vais tester quand même dans un vrai papier Amazon. Là, je vais juste finir le haut ici. Avec vous. Donc là, je vais laisser lui de côté et ensuite je vais y aller avec celui-ci. Donc celui-là, c'est le numéro 06007. Donc le dégradé avec lui. Et là, vous me voyez, hein, depuis tantôt, je fais toujours ça là, pour enlever les grains, mais faites-le pas. Parce qu'ils sont très poussiéreux et ça se peut que ça teinte votre colo. Donc, utilisez une petite brosse. Là, la mienne est en bas. Fait que... Ou soufflez si vous n'avez pas de petite brosse. Voyez comme il se mélange super bien. Bon, il n'y a peut-être pas une grosse différence par contre de dégradé. Hein? On dirait que... J'ai fait tout le même rouge. Pourtant, c'est deux rouges complètement différents. Peut-être juste en rajouter de celui-là. Et quand c'est pas assez foncé, ben, ce qu'on peut faire, c'est prendre le noir et venir teinter notre couleur. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, à la base, je vais appliquer du noir doucement. Donc, vous voyez, hein, je peux venir les retravailler. Sans problème, donc il ne sature pas énormément vite. Donc ça, c'est le fun aussi. Un peu comme les autres bruits de funeur, hein. Je dirais qu'ils se travaillent pareil, mais peut-être un peu plus crémeux. Je ne sais pas, c'est peut-être dans ma tête aussi, mais j'ai cette impression. Faudrait que je fasse un colo avec les deux en même temps et je m'en rendrais vraiment compte. Au pire, je vous en reparlerai de ça. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment... Je les ai reçus aujourd'hui, donc j'ai fait un colo dans le Clara Markova. Ils sont super bien étés sur le papier. Pas de difficulté à les dégrader. Là, je me rends compte qu'ils vont bien sur le papier de Célina Finec. Ça, c'est super le fun parce que c'est pas tous les crayons qui vont bien sur ce papier-là. Donc, je vous dirai, au fur et à mesure de les utiliser, je vais faire un colo que je vais les mélanger avec les 180 bruts de funeur et je pourrais voir aussi, en utilisant les deux, voir ce que ça donne. Donc là, j'alterne hein, avec les trois. Vous voyez ici, là, on commence à être pas mal saturé. Quand ça commence à briller, c'est parce qu'on est saturé. Là, j'aurais tendance à vouloir passer mon pinceau pour enlever les marques de crayon. Et là, je terminerai ce rouge avec peut-être du blanc, peut-être. Pour prendre le blanc. Mais je pense pas toujours utiliser le blanc des bruits de funeur. Je crois que je vais y aller avec mon blanc habituel, hein? Le blanc des Prismacolor. Mais sinon, il est quand même bien utilisable. Hein? Vous voyez, j'arrive à bien blinder les couleurs. Donc ça, c'est le fun. J'ai réussi aussi à étirer mon pigment pour venir remplir ici. Donc, vraiment, ils vont super bien sur ce papier-là. Donc, ça, c'est le fun.
Bon, là, j'ai dit, on va tester sur du vrai papier Amazon. Dans les annalines, c'est du vrai papier, le papier classique de Amazon. Donc, on va tester sur ce papier-là. J'espère que je ne vous... vous me trouvez pas trop plate à faire des tests comme ça. Puis je me dis, bon, aussi bien le faire avec vous, hein, comme ça, ben, ça vous donne une idée à vous aussi. Et là, je n'attends pas vraiment de commencer un analyne. Y a-t-il quelque chose dans les analines qu'on peut colorier à part les poupées? Y a pas rien au début. Elle fait pas de page de nom, hein. ça ne me tente pas de faire ça non plus. Est-ce que j'ai un autre livre papier Amazon? Papier. Je te cherche papier. Papier de Jill Sommer, est-ce que c'est le même papier qu'Analyne? Ça semble que oui, hein? Donc lui, est-ce qu'il y a quelque chose au début? J'aurais dû regarder ça avant la vidéo, je suis désolée. Mais vous êtes habitués, hein? Non, rien au début non plus. Est-ce qu'on a des pages de test? Tiens, on va tester ici. Il ne sera pas à la tête, là. On va tester là. Donc, je vais reprendre mon même combo, là. Je vais reprendre les rouges. J'aime pas trop faire ça, par exemple. J'aime pas barbouiller dans mes livres. Mais bon, au pire, j'enlèverai la page. Donc là, je vous fais un dégradé sur ce papier-là. C'est vraiment pas le même papier que les livres de Céline Finick, hein. Je m'en doutais bien. Les livres de Céline Finick, on dirait qu'ils ont un petit peu plus de grain. Lui, il est vraiment un vrai papier Amazon. Hein, c'est écrit là. Manufactured by Amazon. Donc là, on dégrade. Mais bon, ils vont bien. Ils vont bien sur le papier Amazon. Mais je les aime mieux sur le papier de Céline Finick. Donc peut-être qu'ils iraient bien sur un papier à grains. Ça resterait à tester. Je vais mettre du blanc. Un dégradé tout croche. Je voulais juste voir comment ils marchaient sur le papier Amazon. Bon. Ne vous fiez pas à mon dégradé. Hein. C'était vraiment juste pour voir le ressenti sur le papier Amazon. Donc voilà, alors je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. C'est sûr que c'est première impression, hein. Mais bon, je pense que je vous ai fait quand même pas mal de tests. Vous avez pu comparer le nuancier avec celui des 180 bruts de funeur. Je vous dirai, allez mélanger ensemble qu'est-ce que j'en ai ressenti, mais ils sont peut-être un peu plus pigmentés que les 180 bruts de funeur. Mais bon, c'est tellement difficile à dire ça, je trouve. Donc, en tout cas, moi, je suis contente. Donc, si vous êtes intéressé par les 120 bruts de funeur carrés, ben moi, je vous les recommande. Ils sont pas chers, hein, un peu comme les 180. Bon, moi, quand je les ai commandés, je les ai pris sur Amazon Canada, mais on me disait que ça arrivait des États-Unis. Et ça a pris une semaine avant que je les reçois. Et sur Amazon, ça me dit que c'était pour prendre un mois. Donc, je suis restée assez surprise de les recevoir aujourd'hui. Mais bon, je suis super contente. Je vais probablement souvent les mélanger avec mes 180 bruts de funeur. Et peut-être, je sais pas, acheter une trousse de 300 pour les mettre tout ensemble. Ou je leur achète leur propre trousse. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais bon, vous pourrez voir ça prochainement. Je me serai décidé rendu là sûrement. Donc, voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle pourra vous aider aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de craquer pour les 120 bruts de funeur carrés. Mon Dieu, aidez-moi. J'ai besoin de quelqu'un à m'aider à parler. Il est temps que je finisse cette vidéo-là. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez-vous craquer pour les 120 bruts de funeur carrés? Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande colo de Zazou qui est sur Facebook. C'est mon groupe de coloriage. Ainsi que sur Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.